suis Sonic, Super Sonic. Cours par-ci, cours par-là, tu ne m'auras pas. J'ai la pêche et j'entraîne ceux qui sont dans mon camp et qui même me suivent, nous allons de l'avant. Je suis Sonic le sympathique, je suis Sonic le romantique. Cours par-ci, cours par-là. Salut à tous, c'est Vince. Bon bah aujourd'hui je vous retrouve à nouveau sur l'émulateur de Sega pour vous faire un nouveau vidéo test. Et encore une fois, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de ce Charclade pour vous parler de Sonic 2. Bonjour à tous, c'est Clad. Alors Vince, je te remercie de m'avoir proposé la participation pour ce test de Sonic 2 The Hedgehog sur Mega Drive. Bah, tout le plaisir est pour moi, puisque nous l'avons déjà fait pour Resident Evil 3 il y a quelques jours, donc il était normal que nous récidivions pour un nouveau jeu tout aussi culte. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, est-ce que tu peux nous détailler à peu près de quoi il en retourne pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, bien que je doute que personne ne le connaisse? Parce que sinon il est né la nuit dernière. Ça c'est sûr, hein, parce que là, pour pas connaître Sonic 2, alors là... Donc, je vais donner les petites infos. Hein. Donc Sonic 2 The Hedgehog est bien évidemment un jeu de plateforme sorti le 24 novembre 1992. C'était une sortie mondiale, hein, ce qui était assez rare sur le terrain. C'est bien sûr édité et développé par Sega. Contient du mode solo et du mode multi jusqu'à 2 joueurs. Bien. Et est-ce que tu peux peut-être résumer l'histoire, pareil pour ceux qui ne connaissent pas la série? Alors là, on va dire que le scénario dans ce Sonic, c'est un petit peu, on va dire, le début du jeu, parce que bon, il n'y en a pas vraiment. On va dire qu'on incarne Sonic que vous voyez à l'écran, le petit hérisson. Accompagné de Tails, le renard à deux queues qui fait sa première apparition d'ailleurs en dessous. On va dire notre but est de, on va dire, du moins au début, de libérer des animaux qui ont été emprisonnés par le cruel docteur Robotnik. On affrontera pratiquement à la fin de chaque niveau. Qui bien sûr en comporte deux si ma mémoire est bonne. Ouais, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 10 zones à nous, et comme tu l'as dit précédemment, effectivement, chaque zone contient environ 2 niveaux. Et donc, je suis à la fin de du premier niveau de la première zone. Donc là, tu vas bientôt arriver au premier affrontement contre ce cher et le refus. Oui, exact. Donc on en parlait avant, c'est une des nouveautés de ce Sonic 2. Donc on peut jouer à deux joueurs en coopération, mais malheureusement par le biais d'une manette. Et on peut aussi jouer en versus à deux en écran speedé, mais c'est pas conseillé, parce que ça va dire que c'est pas... Malheureusement, on va dire que c'est plutôt un défaut, même parce que ça a été assez mal optimisé. Parce qu'on a pas mal de gros ralentissements, c'est pas très intéressant, c'est un peu écrasé. Donc, on va dire que le mode multi à deux, j'entends cette musique que tu arrives à Robotnik. Ouais, exact. Donc là, attention, combat épique entre Sonic, alias contre son cher Robotnik, à la tête d'œuf et à la grosse moustache. Et au gros pic. Oui, qui essaye de me niquer avec un marteau piqueur à roulette. On va dire qu'il va pas de mal,
Donc voilà, je l'ai tué, là je libère nos amis, les animaux. Et comme vous pouvez voir, j'essaye de tomber. Donc la grosse nouveauté aussi, je vous la fais à l'écran, c'est le spin dash. C'est vraiment très utile. En effet, puisque ça permet de taper des pointes lorsque tu n'as pas de pente ou quelque chose qui te permet de prendre de la vitesse. Et là, je vois que tu as fait tous ces mini-points de Chinka Planzo, qui est un niveau assez joli, je trouve, parce que graphiquement, il n'y a rien à dire, mais aussi, je pense que tu as quand même ça claque. Oui, et surtout, l'effet ferraille est bien rendu dans ce niveau-là. L'effet usine un peu robotisé. Un peu high-tech. Effectivement, ce mec, c'est super bien rendu parce que dans ce Sonic 2, on va dire que les décors variés, il y en a beaucoup et c'est l'un des points forts du jeu. Ouais, c'est pas ce qui manque. Alors, on avait oublié de mentionner une nouveauté quand même assez importante. C'est les zones spéciales. Les zones spéciales, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait dès qu'on a récupéré 50 anneaux, on arrive à un checkpoint, on arrive en fait dans une zone où on a une vue derrière ce mec. Hein, on va dire que c'est un peu un essai de Morse. En fait, on devra récupérer les Chaos Emeralds. Et une fois qu'on les aura toutes récupérées, ben, Sonic va tout simplement déchaîner sa colère et se transformer ben, en Super Sonic, hein, qui fait très penser à un super guerrier de Dragon Ball Z. Oui, si je me souviens bien, même il tape des pointes encore plus rapides qu'à la normale. Ah ouais, bien sûr, il est invulnérable, je crois, sur le coup. Et oui, quelle grosse daube, je viens de me faire tuer par un petit ennemi. Allez. Donc ça fera partie du bêtisier, essayons de ne pas refaire la même connerie. Et je paye la même. J'ai dû te contaminer par ma nouvelle attitude qui m'a été transmise par ce cher Baldo. Oui. D'ailleurs, nous passons une dédicace aux habitués, donc à Steve, Balboy, Alex du Québec, et à Link Master, Matt, et à tous ceux qu'on oublie. Car il y en a tellement qu'on va pas tous les citer. Oui, aussi. Et sans oublier notre cher ami Yggdrasil. Oui, ce cher ami Yggdrasil. Parce que pour les dernières fois, on avait un petit peu oublié la place. Ah, mais on a oublié Miss Jack Sparrow en 1976. Oui, Mumu, nous te passons un gros bonjour. Non, puis en plus c'est une fidèle de nos vidéos, donc on se doit de lui rendre hommage à chaque fois qu'on en fait une. Bien évidemment, parce que pour le final de tes horizons, malheureusement, il y a une présence qui a été complètement passée à la trappe, donc je l'avais mis un petit message. On était et tellement... Mon cher Vince, je t'arrête pour toi, déjà un bon On sort du truc, voilà. Et on se retrouve tout de suite en plein saut en plus. À tout de suite. À tout de suite.